Ce salon pour vous et pourquoi en êtes-vous déshonorable parrain? Parce que moi je joue à domicile, donc c'était pour moi l'opportunité de rencontrer les gens de Vourles, de faire connaître nos établissements, de proposer des bons produits, de passer un moment festif et convivial, et surtout avec Christian qui était là, ça m'a apporté beaucoup de joie de faire ce salon. Christian Tédois, parrain de ce salon, je vois que vous avez déjà la casquette de la team Barbet. Oui. C'est important d'être parrain d'un salon qui fait pour des causes nobles. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est d'être partenaire pour le Rotary, mais aussi pour les associations qui seront les bénéficiaires de ce beau salon. Voilà, donc, mais je veux quand même remercier tous les producteurs qui sont là, qui apportent leurs produits et qui, grâce à leur vente, vont permettre de récolter des sous pour ces associations qui en ont bien besoin. Messieurs, vous êtes dans la gastronomie, chacun dans votre domaine. Quel est votre mot de la fin? Christian Tédois, fin s'écrit à Lyon, F-A-I-M, vous le savez. Absolument. Eh bien, je dirais juste générosité. Moi, je dirais tout simplement bon appétit et large soif. Et je vois qu'il y a plein de charcuteries et de choses que voilà. Chez vous également. Voilà, entre autres. Des gâteaux maison, de la charcuterie, des conserves préparées par ma femme à la ferme. Voilà. Des bons vins aussi que tu vends. Hein, des bons vins, aussi. Des bons vins qu'on vend à la cave Barbet, au bar à vin Bamboche. Voilà, on est. Non, on a de tout. Messieurs, merci. Merci. À bientôt.